joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Nous allons poursuivre avec Venez le célébrer. Chantier Dieu quel amour. Dieu quel amour pour moi, quelle patience tu as conduit vers toi mon ignorance. Un don si précieux, ta mort à la paix.
Nous allons entonner notre chant thème « Dieu est capable ». Bonsoir tout le monde. C'est un petit moment pour nous prier le Seigneur. Tout le monde mettez quoi sur tout bout pour nous prier. Papa bon Dieu, mon cabinet non, mon cari merci parce que si aujourd'hui on fait nous un jour, c'est grâce à vous. Vous permettre que nous là pour louer ou pour glorifier, mais aussi pour nous porter parole et puis sagesse. Moi veux bénir bon Dieu, moi veux adorer, moi veux exalter, moi veux dire merci. Et ça, en commande, c'est que vous prenez contrôle momentan. Dirigez tout bagaille pour glorifier non. Pour nommer les noms de parole, qui parole pénétrer chez, afin qu'il agisse selon volonté. Seigneur, c'est grâce à nous, commande, couvrez serviteur, rempli de bonté, afin qu'il rentre en lui-même, afin qu'il porte nourriture là où il porte le peuple là, à donner Jésus. Mon Dieu, nous bénissons et nous remercions. Bénis tout ça qui est en présentiel. Mon Dieu, et tout ça qui. En l'air le net, mon Dieu, nous bénissons et nous disons merci. C'est grâce à nous que nous bas chaque monde qui est présent à l'écoute, quand yo devant télé ou bien devant portable, Seigneur, glorifiez-nous, adonnons Jésus, nous bénissons. Amen. Bonsoir, bien-aimés. Je suis content de vous autres. Et je dis à vous autres qui papa zot. Si vous autres qui papa zot, c'est que nous avons grâce à vous. Si vous êtes connectés sur le net et vous êtes regardés, nous disons bienvenue ici et puis nous passons un moment agréable. C'est vrai, il y a des gens qui ont pris des décisions pour aller danser. Mais en seul bien, nous écoutons, c'est l'autre ici et puis Jésus. Et c'est là, nous réconfort là. Et bien, nous avons béni l'éternel, nous disons bienvenue à dans nos Jésus-Christ. Et puis, dimanche, nous présents ici encore. Mercredi, nous présents ici. Et vendredi, nous présents ici. Et puis, sabbat, c'est là nous allons louer l'Éternel encore plus. Nous allons glorifier bon Dieu parce que bon Dieu est vivant. Alors, maman là, je vais vous dire, restez à l'écoute. Restez connectés parce que bon Dieu n'y a pas de parole. Alors, pas décrocher. Restez là, attaché parce que Jésus, les parle de Dieu. Je vais vous dire,
Bonne écoute, bon Dieu bénisse. Plus force en Jésus.
ton Saint-Nom, notre Dieu, notre Père, pour l'expérience que tu nous permets de faire dans cette période de la vie de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Béni soit ton Saint-Nom pour ces jeunes qui sont engagés, qui sont consacrés, qui sont assidus, qui sont ponctuels. Bénis-les d'une grâce spéciale et utilise-les, Seigneur, afin de magnifier ton Saint-Nom. Utilise-les afin d'attirer d'autres jeunes comme eux à Jésus-Christ maintenant. Ô Père éternel, les hommes et les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles, les garçons et les filles sont assemblés, rassemblés dans les différentes maisons, devant leur téléviseur, devant leur ordinateur, devant leur téléphone, rassemblés aussi en présentiel, et quel que soit l'endroit où ces personnes sont assemblées en famille ou de façon individuelle, bénis-les, ô notre Dieu. Transforme-les et permets qu'ils regardent, et non pas en tant que spectateurs, mais en tant que participants, qu'ils regardent et qu'ils fassent une expérience, et que l'expérience réalisée puisse les pousser à venir à Jésus-Christ. Ô Père, quels que soient les liens qu'ils y retiennent, quels que soient les conseils qu'ils reçoivent de ce voisinage, de leurs collègues, de leurs amis, de leurs familles, brise ces résistances, notre Dieu. Et permet que ceux et celles qui sont rassemblés et qui écoutent ta parole soient convaincus que le moment est venu de ne plus attendre, mais de se donner à Jésus, tandis que la porte de la grâce est encore ouverte, parce que bientôt, les temps seront terminés. Bientôt, la porte sera fermée et permet, alors que le temps est encore disponible, que l'Esprit Saint touche les cœurs des auditeurs et qu'ils se donnent à Jésus. Ô Père, je te prie de faire en sorte que toute personne mal intentionnée, toute force contraire qui ferait que ta parole serait perturbée, que la diffusion serait en difficulté, que toutes ces forces contraires, toute influence contraire soit chassée de ces lieux, ou des maisons où les auditeurs écoutent, où ils regardent ce programme. Fais que la paix règne, que l'Esprit Saint règne en maître et en souverain dans les cœurs, que tes saints anges protègent et constituent une haie protectrice autour de ces lieux, autour de leur maison, et que rien ne vienne troubler l'écoute attentive de ta parole. Ô Père, que l'Esprit Saint soit l'instructeur principal de cette prédication. Que ton serviteur soit pris sous ta coupole. Ainsi, Père, remplis ton serviteur de l'Esprit Saint. Cache-le derrière la croix, afin que Jésus-Christ soit vu et que son message soit entendu au nom de Jésus. Amen. Amen. Je dois dire que le Seigneur nous fait grâce. Le fait d'être ici, d'être en mesure de participer à la prédication, que ce soit dans son foyer, dans sa maison, sur son balcon, avec son téléphone, devant la télévision, ou même sur place, ici au Mont Hermon, quartier du Verpré de la commune du Robert, où des hommes et des femmes font une expérience de foi, où des hommes et des femmes découvrent qu'ils sont aimés par le Père. Le Père qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui a donné sa vie à la croix du calvaire pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. En sorte que des jeunes puissent interpréter un si beau chant. Oh, j'étais à la sacristie et j'avais envie que vous continuiez de chanter. Et je voudrais vous dire que ce chant-là a fait le tour du monde. Et continue à chanter à la gloire de Dieu.
accompagné par ses musiciens, apprécié par l'Assemblée, non seulement celle qui est en présentiel, mais celle qui est sur YouTube, à la télévision, nous formons une seule et même Assemblée en Jésus-Christ. Dieu nous aime tous indistinctement. Et lorsque un fils demande à son père de lui donner la part du bien qui lui revient et qu'il se met dans une démarche de revendication, le père sage, le père juste, le père bon lui donne ce qu'il lui demande. Il partira, il fera une expérience, il apprendra de cette expérience, des conclusions seront tirées, il réalisera dans quel fond il est tombé. Et au fond de son cœur, l'Esprit Saint va intervenir. Il va réaliser qu'il a fait un mauvais choix. Et là, dans son problème, là, dans son malheur, là, dans ce pays étranger, là, dans ce job dégradant, parce qu'il a des valeurs qui le pousse à rechercher quelque chose de supérieur, mais on lui donne à faire un job qui le dégrade, un job qui l'humilie. Celui qui était à la maison de son père, qui avait des mercenaires, des serviteurs, et tout était fait pour lui, se retrouve dans un pays étranger, il a dilapidé ses biens et il est dans le besoin. Et là, il est obligé de réfléchir, obligé d'apprécier la jouissance bienfaisante de la maison paternelle. Et c'est souvent lorsque on prend des décisions, on fait des choix, on s'en va, on se sépare des privilèges que l'on réalise quelle erreur qu'on a fait. Et ce soir, je prie Dieu que nous puissions réfléchir et que nous puissions prendre les décisions judicieuses opportune, intelligente, de ne pas tarder, de ne pas rester plus longtemps dans le parc à cochons. Il a dit, je ne resterai pas là plus longtemps. Parce que même dans le parc à cochons, il ne pouvait même pas manger la nourriture des cochons parce qu'on ne lui permettait pas de le faire. C'était pour les cochons. Et lorsqu'on laisse la main de Dieu, on va manger de la nourriture réservée aux cochons. Lorsqu'on laisse la main de Dieu, on envie la nourriture réservée aux cochons. Mais Dieu a une meilleure nourriture pour nous. C'est ce qui arrive lorsqu'on pense que ce que Dieu nous a donné n'est pas bon et qu'on regarde à côté et l'on pense que l'herbe est plus verte à côté. Et beaucoup de personnes pensent, eh bien, oh, l'église est morte. Les champs sont morts. On n'est pas bien, on est privé. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Oh, on regarde à côté et on se dit, ils sont libres. Mais mes amis, je vous dis, ce qui semble paraître comme de la liberté, c'est de l'esclavage. Et bien souvent, on regarde les gens avec leur ceci, avec leur cela, et on se dit, oh, ils sont heureux, oh, ils vivent, ils sont en voyage, ils sont par-ci, ils sont par-là, mais vous ne savez pas, lorsque le soir arrive, il n'y a pas qu'à dormir dans les cabanes. Vous ne savez pas. Alors, contentez-vous de ce que vous avez. Et ce que nous avons est supérieur à tout ce que nous pourrions voir ou comprendre. Et parfois, ce sont des protocoles qui font qu'on pense que les gens sont dans une situation où ils sont contents. Non, ils pleurent. Ils pleurent. Ils sont dans une grosse maison, la plus chère de la Martinique, la plus chère du monde. Mais quand le soir arrive, quand ils se rencontrent, ils sont malheureux. Ils pleurent à table, ils ne mangent pas alors que leur réfrigérateur est rempli. Alors qu'ils ont les meilleurs vêtements, mais ils ne se sentent pas bien. Ils peuvent se payer ceci, se payer cela, mais ils ne sont pas heureux.
Et le jeune fils qui part, il pensait que le père le maltraitait. Il pensait qu'il était privé de liberté, restreint. Et il est parti. Il fait son expérience et réalise combien la maison paternelle est merveilleuse. Oh, parfois, il faut arriver dans ces situations-là pour voir qu'on a un papa qui est merveilleux, une maman qui est merveilleuse, qu'on a un frère qui est merveilleux et merveilleuse. Et c'est souvent lorsque la terre commence à bouger, la tempête commence à se manifester, qu'on réalise, finalement, mes amis, c'est pas mal là où je suis. Alors que d'autres nous regardent et ils voudraient venir là où nous sommes. Et nous qui sommes là, nous méprisons ce que nous avons, alors que d'autres auraient payé beaucoup d'argent pour avoir ce que vous avez. Ce soir, nous parlons d'un fils en colère. Je ne sais pas si cela vous dit quelque chose, un fils en colère. Parce que ce qui se passe, c'est que celui qui est parti, et certains pourraient dire ce vagabond qui a mangé tout l'argent de papa, qui a dilapidé tous les biens de papa, même si c'était son héritage, et il revient, ayant vécu une vie de dépravation, et au lieu qu'on le prenne, frère agricole, et qu'on le mette là et lui donne bonne fessée pour avoir mal agi, frère Franz, on organise la fête. Et on va louer les plus grands musiciens pour faire la fête. C'est juste? Dites-moi, est-ce que c'est juste? Celui qui a mal agi, qui a presque fait que l'entreprise soit en faillite, et quand il revient, on organise une fête, on lui dit merci d'être revenu. Et certains s'élèveraient et diraient, non papa, c'est pas juste. C'est pas juste. Quand le fils revient, le frère aîné n'est pas là. Il est au champ. Le verset 25 de Luc chapitre 15 nous dit, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Oh mes amis, la parabole ne nous dit pas de façon directe, ce qui concerne le fils, le jeune fils. Sa restauration est maintenant complète. Mais la parabole nous enseigne une leçon. Et la leçon que la parabole nous enseigne, c'est qu'il est clair que les cieux accordent un accueil courtois aux pécheurs repentants et qui revient à la maison. Jusque-là, Jésus a justifié son attitude amicale envers les publicains et les pécheurs parce que Jésus n'a pas de favoritisme, n'a pas de parti pris. Pharisien ou publicain, pharisien ou scribe, pharisien, ça dit Seigneur, Jésus est venu sauver tous ceux qui sont sur la terre. Le reste de la parabole traite de l'attitude des pharisiens, des scribes, à l'endroit des pécheurs. Et c'est souvent des pécheurs qui font du tort à d'autres pécheurs. Des pécheurs qui se voient supérieurs à d'autres pécheurs et qui disent, oh, ceux-là, ils sont méprisables, ceux-là, ils sont inacceptables, ceux-là, ils ne sont pas dignes. Et on voit cela se traduire dans l'attitude du frère aîné vis-à-vis du cadet. Et cette partie de la parabole est présentée comme une réprimande à l'adresse des propres justes hypocrites pour leur murmure contre la façon dont Jésus traitait les parias, traitait ceux qui étaient bannis, proscrits, exilés de la société. Oh, j'aime ce Jésus. Ce Jésus, il regarde ceux qui sont assis sur le bord de la route, ceux qui n'ont pas de chaussures, ceux qui n'ont pas de vêtements,
qui viennent de boutique. Il regarde ces gens-là. Et la Bible nous dit que Dieu a le regard sur ceux qui ont un cœur contrit. Et quand il passe, celui qui a la grosse voiture n'est pas plus estimé par Jésus que la personne qui n'a pas de voiture et qui marche à pied. Hello! Dieu ne regarde pas la grosseur de la voiture, le nombre de pièces de la maison, ne regarde pas non plus notre pédigré. Il ne dit pas quelle étude vous avez fait. Non, ça ne le concerne pas Jésus. Il regarde notre cœur. Et quand il arriva, le fils cadet, quand il arriva, le fils aîné était dans les champs. Oh, peut-être qu'il aurait eu une crise cardiaque s'il avait vu comment son papa avait couru et l'avait pris dans ses bras, son vêtement, et il avait couru, peut-être une crise cardiaque. Peut-être papa ne m'a jamais pris. Et quand le père ferait la tunique, vêtir, changer d'aspect, de couleur, pour qu'il se soit accueilli, peut-être qu'il fait une crise cardiaque. Était dans les champs. Au travail, comme doit être de façon similaire, et les pharisiens dans l'espoir de l'héritage que le laisse fidèle. Il y a des gens qui veulent du temps. Si c'est à cause de mes bras, l'inspiration, j'ai travaillé. Excepté personne, ils veulent travailler. Mauvais, mes amis. Mais quand il c'est pour qu'il puisse vous dire, abousin, je n'ai pas besoin de trop. Ne servez pas Dieu par rapport à Dieu. Il dit que nul ne sera par les œuvres de la loi. Car c'est par grâce. Cela ne vient pas de vous. Personne ne se bien. N'est-ce pas? Salut. Ce ne sont pas les hommes que vous produisez, ni les éternels, c'est un cas de Dieu. Ce ne sont pas mes une vérité auprès à Dieu de façon méticuleuse. Les hommes béatement les paroles à l'obéissance de la disposition à faire sa part. Venons au texte. Revint chez son de la musique. La musique les terme dans la symphonie son son mot symphonie et son désigner un instrument voix à l'eau ou un instrument ressemblant à des
noyer pour faire du retour de son Dieu pendant longtemps. Donc, la nouvelle, tout le voisinage, à tout avec la vie de fils. Il faut tout le village sache n'avait pas de son fils. Mais fait. Et encore dans les familles, mon fils affection et le je ne sais pas cette histoire nous parle. Cette fois, la situation, les il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais la Bible nous dit, il se mit en colère parce qu'il estime que ce fils-là est un vagabond. Ce fils-là a dilapidé les biens de son père. Ce fils-là a été une honte pour la famille. Il se mit en colère. Et comme les scribes, et comme les pharisiens envers Jésus, la colère de ce fils se démarque en contraste suprême avec la joie absolue du Père. Selon le grec, il refusa obstinément. Il refusa obstinément d'entrer. Et ce, même après l'exhortation répétée du Père en personne. Le père est sorti pour lui parler et j'imagine quand il se met en colère, eh bien, ça ne se passe pas en catimini. Il revient des chants, il entend la musique, il y a des gens qui sont là, les dansent aussi, et puis il voit que l'on est en train de faire la fête pour celui-là qui est parti. La honte de la famille. Dans les journaux, oh, le fils, oh, sur Internet, sur WhatsApp, c'est une propagation. C'est comment on dit ça encore? Hein? Hein? Comment on l'a dit, dites-moi, les jeunes là. Hein? Ça fait le buzz. Ça fait le buzz. C'est partout. Tout le monde reçoit cela. Et puis, ça, tout le monde arrête de fonctionner. Wow! Le fils, quelle honte! Ça devient viral. C'est viral! La classe est interrompue ce jour-là. La création, il y a des attroupements partout. Ceux qui n'ont pas de portable se mettent autour de ceux qui en ont. Et regarde ça. Regarde ça. La honte de la famille. Ce fils-là, oh, le fils aîné aurait peut-être souhaité qu'il restât là où il était, n'est-ce pas? Qu'il mourût là aussi. Comme ça, personne ne saurait, il est loin dans un pays. Personne ne le connaît. Oui, vis ta vie là, mais ne reviens pas en Martinique. Reste en Martinique, pose des problèmes. Revenir en Martinique, pose des problèmes. Reste dans ce pays, lointain, comme ça personne ne saura. Parce que si tu reviens, ta situation va être virale. Le monde entier saura. Et puis il revient. Et puis on organise un festin pour celui qui est la honte de la famille. Le père insiste, viens, entre, mais volontairement, obstinément,
Il refuse d'entrer. Et là commence une tirade. Là commence un jet de missiles, une batterie de missiles. Les scuds fusent là maintenant. C'est l'heure des reproches et tout ce qui avait été accumulé pendant ces années. Vous savez, quand il était à l'étranger, le fils aîné bouillonnait en lui. Le père avait donné son bien. Il est parti. Il avait accumulé de la colère, de la haine. Tout son cœur était rempli. Il va maintenant déballer ce qu'il n'avait pas dit à son père. Il va le déballer parce que le père entre en matière ici. Et au verset 29, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Il y a tant d'années que je te sers. Sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Oh, il est vraiment fort avec son père. Il ne le ménage pas. Il commence à lui dire ce qu'il a accumulé sur son cœur pendant des années. Et parfois, nous ferions mieux de ne pas voir certaines personnes parce qu'ils nous attendent. Attendre que nous ouvrions la bouche pour nous donner une belle salade. Et on regrette d'avoir fait ce pas. On regrette d'être allé parce que ces gens-là, ils attendent, et bien ils sont là, ils disent, « Fais venir. Manque à attendre. Pour vomir son fiel. » Vous avez une chose, parfois, vaut mieux vous éloigner de certaines personnes parce qu'elles sont toxiques. Et si vous restez trop longtemps en leur présence, elles vont vous anéantir. Alors prenez le large. Ils accumulent. C'est où Montegarton? Ils accumulent. Et beaucoup de choses sont accumulées. Il y a de la haine accumulée, de la colère accumulée. Et une seule parole va faire exploser les choses. Un seul regard va faire déborder. Une seule goutte d'eau fera déborder le vase parce que ça fait longtemps. On est gonflé comme un crapaud. Le problème est que le frère aîné travaillait à la façon d'un serviteur. Hello! Le frère aîné travaillait à la façon d'un serviteur que d'un fils. Il revendiquait le domaine de son père parce qu'il l'avait gagné. Qui plus est, il était en colère contre son père parce que ce dernier n'avait pas pris en compte ce qu'il estimait être ses droits en tant que fils aîné. De ce quoi, mes amis, il dit sans avoir jamais transgressé tes ordres. C'est le genre de fils aîné qui reconnaît qu'il est parfait. C'est le genre de fils aîné qui reconnaît qu'il est impeccable. Il n'a jeûné jamais. Il ne peut pas trouver un moment dans son histoire, dans sa relation avec son père, où il a été désobligeant. Il a toujours été obéissant. Sans jamais. J'ai toujours obéi à tes ordres. Il a observé de façon rigoureuse toutes les demandes faites aux fils qui sont dévoués, mais il ignorait tout de l'esprit de la véritable obéissance. Ainsi, son service n'était pas un service mu par l'amour. Son service n'était rien d'autre qu'un respect servile des formes de la piété filiale. Et au verset 29 encore, il a dit, « Et jamais tu ne m'as donné un chevreau. » Jamais tu m'as donné, je m'as donné une poule comparée à un cabri ou à un bœuf. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Le grec souligne le « me » dans « m'a donné ».
C'est comme s'il disait, tu as jamais donné un chevreau à moi. Qu'il l'ait réalisé ou pas, le frère aîné était jaloux de l'attention que l'on témoignait à son frère. Et sans doute, il sentit que toute cette attention aurait dû être dirigée plutôt sur qui ? Sur lui. Le fils aîné se plaignait de n'avoir jamais été récompensé avec autant qu'un chevreau qui est si insignifiant en comparaison à un veau gras. Ce fils aîné est dans la revendication. Est-il différent du premier qui a été ce matin dans la revendication « Donne-moi la part de bien qui me revient ». On voit une similitude entre les deux, ils sont dans la revendication. Et sans doute, ce qu'il cachait aussi dans son cœur était la crainte que la réhabilitation de son frère cadet pourrait aussi signifier que le père donnerait une portion de la propriété qui était maintenant légalement sienne à ce frère gaspillard. Alors, rester au loin était préférable. Qu'il ne revienne pas était préférable. Et peut-être que le frère aîné sous-entend ici que même le veau gras lui appartenait légalement. Et que son père n'avait pas le droit de s'en servir sans son consentement personnel. Un fils en colère. Il précise pour que je me réjouisse avec mes amis. Et il semble laisser entendre davantage ici ce que son lot dans la vie avait été sombre et qu'il avait plus ou moins envié son frère le temps de débauche dont il avait joui. Mes amis, ce fils aîné n'était pas joyeux. Il travaillait dans la maison de son père, mais il n'était pas joyeux. Et j'imagine peut-être qu'il était silencieux dans la maison. Il se levait, allait au champ, revenait, s'asseyait à table, il mangeait, mais il ne parlait pas tellement. Quand les gens sont en train de ruminer, de fomenter, eh bien, ils sont souvent silencieux, ils intériorisent. Pas joyeux au service du Père. Ma question ce soir, sommes-nous joyeux au service du Père? Sommes-nous joyeux dans le service que nous faisons et rendons à Dieu? En fait, apparemment, il n'appréciait pas la compagne de son Père. Il préférait celle de ses amis. Notons bien que lorsque le fils cadet arrive, il est au champ. Il arrive, la musique va bon train, les danses également. Ce fils aîné, il a un problème, il a accumulé les choses, la colère, la haine. Et quand il va arriver, regardez bien au verset 30 ce qu'il dit. Regardez le verset 30 de Luc 15. Il dit, « Et quand ton fils... » Ce fils dont il parle, c'est qui ? C'est son frère. Mais quand ton fils, oui, c'est ton fils, tu l'aimes, c'est pas mon frère. C'est ton fils. Ton fils. Cette expression révèle le mépris, révèle le sarcasme. Le fils aîné dédaignait avoir le fils cadet comme frère. Et froidement, il nargue son père en se référant à son frère comme ton fils. Et parfois, dans la maison, les frères et les sœurs disent à leurs parents, ta fille, ton fils, alors qu'il s'agit ici de leur sœur ou de leur frère.
ton fils témoigne la distance qui s'est creusée. Et peut-être au fond, il se sentait plus juste que le père ou son frère, parce que voilà un vagabond, voilà un père qui fait du parti pris, voilà un père qui ne voit pas que ce garçon-là, ce fils-là, il n'est pas pour les intérêts de la famille. Parce qu'il serait resté, on travaille par ici, il y a les bêtes à attacher. Il y a les poules à nourrir. Il y a un tas de choses à faire. Les mercenaires semblent ne pas être suffisants parce que lui, il est au champ. La vie n'est pas facile. Si le père a des mercenaires, des serviteurs, et quand même lui, il va au champ, c'est qu'il y a un petit problème peut-être. Ou alors peut-être qu'il va au champ parce qu'il n'aime pas la compagne du père. Il n'aime pas le père. Et on reste au large. Et il va s'asseoir au verset 30. Qui a mangé ton bien avec des prostituées. Il commence à dire ce qui est sur son cœur. Ton fils, tu le chouchoutes, mais ce n'est pas un bon gars. Il n'a pas de bonne conduite. Il s'associe avec des prostituées. Il mange ton bien avec des prostituées. Il dilapide tes biens. Et c'est pour lui que tu as tué le faux gras. Et quand ça se consume la famille, il y a un malaise. Les parents sont mal à l'aise parce qu'il y a une accusation. Parce qu'en fait, le fait de manifester de l'affection, de la compassion à l'endroit d'un fils qui est parti, qui s'est mal comporté, c'est normal, mes amis. Parce que lorsque quelqu'un a un problème, il ne s'agit pas de le prendre et de le taper dessus, de lui faire des reproches. Il faut l'asseoir et le prendre dans ses bras. Lui témoigner de l'affection. Parce que là-bas, il a souffert. Et vous n'avez pas ce qu'il a enduré. Peut-être a-t-il dormi sous des ponts avec du carton. Peut-être a-t-il mangé dans des poubelles, chassé les rats qui venaient le soir l'empêcher de dormir. La pluie l'a arrosé. N'a pas d'endroit où se baigner. Il sent, il est mal dans sa peau. Il est abusé parfois. Il est abusé parfois. Des gens lui font du chantage. Si tu veux un repas, alors il faudra passer par là. Il a subi des choses. Il ne peut pas exprimer toute la souffrance, la maltraitance, les abus dont il a été l'objet. Il est là. Qui a mangé ton bien avec des prostituées. Que le frère aîné ait appris cela comme étant un fait au sujet de son frère cadet, ou simplement présumer que cela fut le cas, nous ne savons pas. Mais nous savons également, ce sont des choses qui sont possibles. L'information ne reste pas là, ça circule. Et parfois, lorsqu'on pense que personne n'est au courant, le monde entier est au courant. Alors qu'on pense qu'on est privé, on est protégé, eh bien les gens sont assis à côté de nous avec leur journal et ils lisent notre vie. Mon enfant, et j'aime l'attitude du père. Le père, il parle différemment. Quel père sage, n'est-ce pas? Mon enfant, verset 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. C'est douillet, n'est-ce pas? Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Le fils cadet n'était pas toujours avec lui. Et c'est là que réside la différence pour la célébration immédiate. Néanmoins, le père va souligner que son amour est égal pour le fils aîné, même s'il n'a pas eu d'occasion pour le lui montrer par l'organisation d'une fête. Mon enfant, tu es toujours avec moi. Et il ajoute au verset 31, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Au moment où le père leur partage son bien,
au moment où il donne au cadet sa portion, il donne aussi au fils aîné la double portion qui lui revient par droit d'aînesse. Ainsi donc, la dispute du père qui était avare n'était pas fondée. Mais il parle dans la colère, il parle dans la souffrance. La propriété était maintenant celle du frère aîné et il aurait pu s'amuser avec ses amis s'il le voulait. Parce que tout ce que j'ai est à toi. Et le père en cela lui assure aussi que ses droits ne seraient en aucun cas, d'aucune façon altérés par le retour de son frère. Si c'était ça qui le troublait, il pouvait mettre de côté ses craintes et se joindre à la fête. Ainsi donc, l'un après l'autre, le père a démontré que les arguments avancés par le fils aîné n'étaient pas valables et il l'invita à entrer afin d'accueillir son frère. Qu'auriez-vous fait après cela? Verset 32. Et le père, il parle encore. Le fils est en colère et lui dit, « Mais il fallait bien. Il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Il fallait bien. » Et ces paroles me rappellent un peu lorsque Jésus est devant Jean au Jourdain. Qui lui résiste ? Ne voulant pas le baptiser. Et Jésus lui dit, Jean, laisse faire. Car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Laisse faire. Et le père dit, il fallait bien. Oui, c'est vrai. Le fils cadet ne méritait pas qu'on lui fasse une fête. Le fils cadet ne méritait pas qu'on lui donne une tunique, ne méritait pas qu'on lui donne une bague, ne méritait pas qu'on lui mette des chaussures aux pieds, ne méritait pas tout ce déploiement d'activité pour le recevoir. Il ne méritait pas cela parce qu'il avait fait le mal. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Il méritait la fessée. Hello? Il méritait les réprimandes. Il méritait les reproches. Il n'avait rien fait qui ait montré qu'il était digne de cette fête-là. Écoutez bien la vérité qui transparaît ici. C'est que ni vous, ni moi, ni personne, nous ne sommes pas dignes des faveurs de Dieu. Nous n'avons pas de droit. Personne n'est méritant. Si nous sommes là, c'est parce que Christ nous a fait grâce, nous sommes sauvés par grâce. Et que personne ne regarde l'autre. Ils le disent, toi, tu n'as pas le droit d'être assis ici. Toi, tu n'as pas le droit d'être là. Non, nous n'avons aucun droit. Personne n'a droit. Cependant, le Christ nous a fait cadeau de cela. Le Père proteste. C'était convenable et approprié de souhaiter au garçon une joyeuse bienvenue. Oui, il le fallait. Notons, mes amis, que la fête n'a pas été sur la base du mérite. C'est simplement une expression de la joie du Père. Et dans cette joie, c'était aussi convenable que le frère aîné y prenne part. Parce que ni lui, ni son frère n'étaient dignes. Et cette fête-là aurait été une occasion pour faire la paix, la réconciliation. Jésus dit, mes amis, que celui qui devait être, que cela devait être l'attitude des scribes et des pharisiens envers les pécheurs. Parce qu'eux aussi étaient dans les mêmes situations, ayant besoin du salut. L'affection du Père pour son fils jadis perdu en aucun cas ne diminua son amour pour le fils aîné. Son amour n'a pas diminué. Son amour incluait les deux malgré leur défaillance évidente. Heureusement pour nous, heureusement pour chacun, l'amour de notre Père céleste n'est pas basé sur nos degrés d'acceptabilité. L'amour du Père céleste envers nous est beaucoup plus grand que cela, mais il fallait bien s'égayer, se réjouir. Et il dit maintenant au verset 32, « Parce que ton frère... » Ça vous dit quelque chose? Le fils aîné a dit quoi? Parce que
ton fils. Et le père va lui dire, parce que ton frère, là où il accuse le père et prend de la distance par rapport à son frère et l'appelle ton fils, le père va intervenir et il va dire, ton frère, parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé parce que ton frère. En réponse à l'expression de dispute utilisée par le frère aîné, ton fils, le père utilise une expression de tendresse, de supplication, ton frère. Dans la jalousie, tout cela se manifeste. Et nous voyons ici, il y a une plaidoirie du père avec le garçon le plus âgé. Jésus représente sa propre supplication avec les scribes, avec les pharisiens. Jésus les aime pleinement, aussi bien que les publicains et les pécheurs. Ils ne doivent pas se sentir offensés par son attitude envers ces parias, envers ces démunis, envers ces gens de la société qui sont repoussés. Ils n'ont pas à craindre pour leurs propres droits et privilèges. Oh, mes amis, le texte nous dit, il le fallait bien. Mais il faut qu'ils changent leur attitude envers Dieu et envers leur prochain. Chers amis, ce soir, je voudrais nous inviter à changer notre attitude envers Dieu, mais également envers nos semblables. Nous ne savons pas si le fils aîné a demandé, a amendé ses voies, s'il a changé, ni plus si le fils cadet s'est bien comporté après cela de façon honorable. Aucun de ces points était pertinent concernant les leçons que Jésus voulait enseigner à travers cette parabole. En fait, mes amis, la parabole est toujours en cours d'exécution et le résultat repose sur ceux qui l'entendent, c'est-à-dire sur vous et moi. Il le fallait. Ma prière, c'est que la colère disparaisse parce que finalement, nous ne sommes pas meilleurs que ceux que nous critiquons. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux que nous rejetons. Mais heureusement, loué soit Dieu, Jésus-Christ nous accepte tous. Il a ses bras ouverts. Et c'est pourquoi nous devons changer notre attitude envers Dieu. Changer notre attitude envers nos semblables. Et lorsque cela se produit, alors nous pouvons entrer dans la fête que Dieu a organisé à notre attention, nous pouvons entrer dans la fête lorsque nous reconnaissons que nous ne méritons pas et que nos semblables ont tous, comme nous, des problèmes, des difficultés, mais Jésus est celui qui nous aime et qui donne la solution. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Je ne sais pas quelle est votre situation. Je ne sais pas quelle lutte vous menez. Je ne sais pas comment vous voyez la vie, mais il y a ici un antagonisme entre le fils aîné et le fils cadet. Mais le père est là pour la réconciliation. Le père est là pour dire que ni toi, ni lui ne méritez pas. C'est un don gratuit. Et si celui qui est parti et qui a dilapidé les biens, qui a fait honte à la famille, s'il se repent et s'il revient, le Père l'acceptera. Et celui qui n'est jamais parti, qui est toujours resté à la maison et qui a été au service, mais n'avait pas de relation avec le Père aujourd'hui, le Père céleste nous invite à développer cette relation d'amour avec lui et non pas une relation basée sur le devoir, mais si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est dangereux de garder des commandements si l'amour n'est pas dans le cœur. On devient formaliste, on devient légaliste, on devient quelqu'un de dur. Mais lorsque l'amour de Dieu est dans le cœur, eh bien, la pratique des commandements, la pratique de la parole devient une bénédiction et ça embellit l'atmosphère. Loué soit Dieu pour cela. Le Christ est prêt à nous purifier. Il est prêt à nous changer, à nous transformer. Et alors que nous comprenons que nous sommes faibles. Alors que nous regardons à tout ce qui nous dérange, nous regardons à ce que nous avons et nous mettons la main dans la poche et nous voyons que la poche est vide, et c'est bien vide. C'est vide, il n'y a pas d'argent,
Il n'y a pas de moyen, mais Jésus-Christ a tous les moyens. Il n'y a pas de solution, humainement parlant, mais Jésus est la solution. Et si nous venons à lui, peu importe ce que nous avons fait, peu importe ce qu'on nous a dit, et parfois on maltraite les gens dans la famille, on dit tout de non, on favorise ceci ou cela, mais il y a de l'amour du Père Céleste pour tous les enfants de la famille. Alors que nous avançons et que nous comprenons que nous sommes sauvés par grâce, que nous ne méritons pas cela, nous voulons ce soir prendre la décision de laisser Jésus changer notre cœur. Prendre la décision de nous soumettre à Jésus, de ne plus continuer à lui résister, mais dire, Seigneur, je reconnais, viens dans ma vie et demander à Jésus d'enlever l'orgueil qui est en nous. Demander à Jésus de nous rendre tendres, courtois, gentils, pleins de compassion, de miséricorde, parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais Jésus est pour tous ceux qui sont contrits et qui viennent à lui. Ce soir, je vous invite à prendre la décision de soumettre votre vie à Jésus, de donner à Jésus une opportunité dans votre vie, de ne pas penser à ce que les autres ont fait, ni ce à quoi vous avez, ce que vous avez fait, mais pensez à ce Jésus qui est là, qui vous attend. Et il ne vous fera pas de reproche, mais il va vous prendre dans ses bras et il vous conduira au port éternel. Oui, ce Dieu est capable, faites-lui confiance, Dieu est capable. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, Dieu est capable de faire. Il transformera ta vie. Il t'acceptera comme tu es. Ne cherche pas à te changer. Tu seras frustré parce que tu n'y parviendras pas. Viens à Jésus comme tu es. Jésus agira pour toi. Il te transformera. N'attends pas demain, l'année prochaine, mais viens ce soir. Viens en famille. Viens individuellement, viens ce soir. Prends ta décision. Sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ne renvoie pas cela à demain, parce que c'est ton opportunité ce soir. Prends ta décision. Clique sur le lien sur le chat. Prends ce téléphone et laisse un message. Prends ce téléphone qui s'affiche à l'écran de ta télévision, de ton ordinateur et sur le chat 06 96 29
84, 63. Et libère-toi de tout ce qui te retient au nom de Jésus. Sois libéré et choisis de vivre pour Jésus. Il se tient à côté de toi. Il te dirige à la victoire parce qu'il a remporté la victoire pour toi. Et ce soir, tu peux prendre ta décision. Si tu es dans cette salle, tu n'as pas encore pris la décision, alors demande à frère Boriel qui se met debout. Et à frère René Capitaine qui se met debout. Ils vont vous donner cette feuille. Mais ne laissez pas le temps s'écouler. Et si vous n'arrivez pas, puisque vous êtes en difficulté de connexion, le téléphone passera 06 96 29 84 63. Vous connaissez un adventiste là où vous êtes. Tournez-vous vers lui et demandez-lui les contacts. Une fois quelqu'un a appelé la Guyane pour m'avoir en Martinique, parce que cette personne veut faire des études sur le sabbat. Passer en Guyane, arriver en Martinique pour atteindre quelqu'un qui est à quelques 10 km de chez elle. Dieu, il fait ce qu'il veut. Il atteint par tous les moyens ses enfants qui doivent hériter du salut. Père éternel, béni sois-tu pour ton amour, pour ta grâce, pour tes bienfaits, pour ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé dans ce monde pour nous sauver. Béni sois-tu pour la proclamation de ton évangile, pour le salut gratuit que tu nous donnes en Jésus-Christ. Ô permets que nous ne tergiversions pas, que nous ne gaspillons pas l'opportunité, mais que nous venions à toi de cœur contrit, de cœur repentant, et que nous venions urgemment à toi. Ô Père éternel, dans ces lieux, dans ces différents endroits où tes enfants sont rassemblés et qui participent et écoutent ce message, il y a tes enfants qui ont résolu de marcher avec toi, de servir Jésus, de donner à Jésus leur cœur, mais qui regardent aux frères, qui regardent à la sœur, qui regardent au mari. Ô Seigneur, permets que ces regards cessent et que tous les regards se portent sur Jésus, qui déclare, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, faites aujourd'hui l'accueil à Jésus. Et soyez libérés, soyez sauvés. Et que lorsque le Christ reviendra, que tous nous ayons la joie et le privilège de l'accueillir comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ô Père, merci pour ton amour et pour ta grâce. Bénis tes enfants, fortifie-les et délivre-les pour qu'ils suivent ta parole, pour qu'ils marchent avec toi dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Nous avons prié avec des remerciements dans le puissant nom et merveilleux de Jésus. Amen. Dieu est capable. Une bonne soirée. Demain soir.